Bonjour à tous. Un caractère c'est inné, tandis que les habitudes s'acquièrent. Dans le caractère loge le talent que Dieu met dans chaque homme et dans chaque femme. Mas Monroe disait que dans un cimetière il ne voyait pas que des croix posées sur des tombeaux, mais qu'il voyait de belles chansons non chantées, des livres à succès non écrits et des beaux discours non prononcés. Kofi Olomide a compris cela. Il partage son talent avec le monde. Ce talent, c'est la chanson, composition et interprétation combinées. Un talent qui lui a valu le nom de l'homme idée, euh, que lui a collé euh, à, à un certain moment euh, Papa Wemba pour lequel il a écrit euh, certaines chansons d'un succès éclatant. Un talent qui a traversé les frontières congolaises. Il fait les stades africains et il ne se laisse pas intimider par la salle mythique de Bercy à Paris, en France, qu'il réussit à remplir. Et tout au long du parcours, il remporte sept Cora Awards, une reconnaissance méritée. Lundi, le 25 octobre 2021, pour une plainte déposée contre lui en 2007 par quatre de ses anciennes danseuses qu'il accuse d'agression sexuelle et de séquestration, la Cour d'appel de Versailles a requis huit ans de prison ferme contre l'artiste. Il se bat avec ses avocats et l'innocence qu'il. Clamé partout, lui est reconnu lorsqu'il a été relaxé en appel de chef d'accusation d'agression sexuelle sur quatre de ses ex danseuses. La force d'une justice indépendante et libre, c'est de dire le droit, et le droit a été dit. Pendant ce temps, la musique congolaise est nommée patrimoine culturel international. Et pour accompagner cette reconnaissance, et donner beaucoup plus de visibilité à cette musique, et par là la RDC, la patrimaire de ces faiseurs de musique, quoi de plus normal que de faciliter le mouvement de ces enfants maisons avec un passeport diplomatique, une visibilité qui n'est pas le prix de leur euh, habitude, mais plutôt le, le fruit du talent tiré de leur caractère. Ce que je pense ceux qui ont hier critiqué la nomination de Gims et Dadjou par le président Félix Dissekedi comme ambassadeur culturel de la RDC soutenaient que ces deux qui vivaient en France ne méritaient pas mieux que ceux qui vivaient au pays et qui ont bien fait la promotion de la Rumba à l'international. Lorsque Kofi Olomide reçoit son passeport diplomatique, les mêmes qui semblaient les meilleurs mettent en avant sa moralité, bien que lavée par la justice française. Le Congolais, dis-je encore, a beau crier l'amour qu'il porte pour ses frères et sœurs, mais son cœur, en grabe, tirera toujours ses derniers vers le bas. Dans son domaine, les œuvres de Kofi Olomide parlent mieux que Sédemlé avec la justice et n'a pas de mérité d'être ambassadeur culturel. Le talent qui sort du caractère l'a emporté sur les habitudes qui s'acquièrent.